unspoken. A way home for those long dead, dead. Escape or face defeat. Let's see which fate our guest shall meet. Ça fait trop bader, mec. Ah mais là il m'entend plus. Ah oui non, c'est quoi? Ah merde. Va falloir retrouver le bouton. C'est quoi le bouton de la radio? Ah. J'ai pas regardé le bouton de la radio. Allô? Allô, Gontran? Ah, c'est bon, je vous entends. Ah. Oh, ça a pas changé. Ah ouais, 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 attends. T'es libre ou pas? En face de moi, Gontran. En face de... Là? Attends, il y en a une qui s'est ouverte, c'est bon. Ah, c'est moi qui ai ouvert. Hein? Vous êtes où? Trois, enfin. Vous êtes où? En prison. Attendez, je sors, je sors. Oh, Gontran, je vois un signe, je vois un signe. Attends, moi je suis dans un hall. Je suis dans un hall tout seul. Moi je vois rien pour le moment. Gontran, je vois un signe. C'est un cercle avec un triangle à l'intérieur et une étoile à l'intérieur de ce triangle. Donc une étoile dans un triangle, dans un cercle. Ah, attendez, moi j'ai trois roues avec des signes. Vous avez dit quoi? Alors, c'est une étoile dans un triangle, dans un cercle. Et Gontran, écoutez bien, ouvrez vos esgourdes. Ah, c'est bon! Oh, bravo, bravo! Oh, c'est bon! Bravo, Gontran! Et j'ai la fin d'une phrase qui dit « de nos parties ». De nos parties? Oui! Quelle partie? Romain, ça s'annonce être fun, bisous la commune. Faut sauter! Sauter! Dans une nouvelle salle, Gontran! J'arrive! Comment ça? J'arrive, j'ai un dédale de pierre, j'arrive! Il faut que je m'accroupisse! Oui, je me suis accroupi également! Ah, j'ai un tonneau! Faut que j'ai un levier, est-ce que je tire le levier? Alors, écoutez-moi bien, Gontran! Oui? On va tirer le levier en même temps! D'accord! 3, 2, 1. Oh bravo! Oh non, j'ai vu une bait! T'es odule? C'est bon, j'ai sprinté, faut le faire. Fallait juste sprinter. Ah, ok. Moi, j'arrive devant une porte avec trois trucs comme tout à l'heure, là. Alors, écoutez-moi bien. Gontran, en face de moi, j'ai encore un signe peint sur un mur, et sinon, j'ai une porte avec deux symboles où je peux les changer. Oui, moi j'en avais un troisième, il était par terre. Faut que vous cherchiez le troisième, il doit être par terre quelque part. Oui, j'ai le troisième sur une table. Ok, moi j'ai aussi un mur avec les trois symboles. Oh! Alors, écoutez-moi bien, Gontran! Oui? Vous allez me décrire le symbole que vous avez en face de vous. Alors, à l'extérieur, il y a un rond. Dedans, il y a une figure avec cinq côtés. Et dedans, il y a... vous connaissez le jeu Les Sims? Eh ben, il y a cette figure-là. Oui, d'accord. Et moi? Ça ne marche pas.
Un rond en premier, un deuxième un patagone, et en trois, c'est... Ouais, je sais pas, c'est... C'est un quatragone. Et d'ailleurs... Allô, Gondran ? Oui ? C'est bon ! Je vais vous décrire mon signe maintenant, ouvrez bien vos esgourdes. Alors... Oh putain... Il y a un trapèze, donc 4... hein, n'est-ce pas, 4 côtés et plat en bas. À l'intérieur de celui-ci, il y a un demi-cercle. Et il y a aussi un éclair. Vous pouvez répéter ? Oui, Gontran. Alors, les trois figures sont un demi-cercle, un éclair... Et un trapèze, donc 4 côtés et plat en bas. Ah, c'est bon, c'est ouvert. C'est ouvert. Bravo, Gontran. J'ai une torche. Oui, moi aussi. C'est quand je vous retrouve, je me sens un peu seul. C'est vous? Ah non, j'ai vu un robot. J'ai vu un robot farceur! J'allume des flambeaux! Oui! Oh, j'ai encore une peinture avec trois formes! Oh non! Oui, moi aussi, Gontran! Et il manque deux roues dans la porte! Moi, il m'en manque... Enfin, ah! Moi, j'ai trouvé les deux roues! Pas moi. Par terre, c'est dans le coin. À trouver. Très bien, Gontran. Vous commencez de me dire ou je commence? Ah, je vais vous dire. Alors, placez-vous devant la porte. Oui. Alors, les trois formes. Nous avons... un hexagone. Donc, 6 côtés. Un carré. Et le signe Peace and Love. Pardon ? Vous pouvez répéter la question ? Bonne, donc, 6 côtés, un carré, et une hélice d'hélicoptère vue de haut, bien sûr. Ah, je l'ai. C'est bon ! À moi ! Bravo! Alors, j'ai un hexagone. Oui. Un triangle et une lune. Bravo, Gontran! Oh! Gontran! Théodore! On fait un pierre feuille ciseau! Ah ouais? Ah oui, comment? Ah ouais? Ah oui! Attention, pierre feuille ciseau! Ok! Ah mais faut compter, c'est nul sinon. Quel plaisir de vous revoir si tôt. Vite, Gontran, vite. Oh, c'était nul. Vite. J'ai un levier. Ah, faut le faire en même temps. Ah oui, comptez. 3, 2... Il faut tenir, c'est de la merde. Encore. 3, 2, 1. Bravo. Oh, déjà.
Oula, 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 je vois trouble. Ça lag. Oui, oui, oui. Oula, oula, oh là là, oh là là, non. C'est la merde là. Ah, c'est bon pour moi. Non mais vous avez vu ce qu'il y a devant? Oh non! Oui? Ah, je suis là! Oh. Alors décrivez-moi ce que vous avez. Je fais coucou. Alors j'ai une porte avec une serrure, avec de la peinture verte dessus. Et j'ai un mécanisme avec un levier. Et une clé en forme de croix bleue. Très bien. Écoutez, moi j'ai la clé verte, hein. Ah, faut que je vous file la clé bleue et vous me filez la clé verte. Oui, alors attendez. Parce que moi j'ai une console avec plein de leviers avec des signes dessus que je peux déplacer. Je vous ai envoyé la clé bleue, envoyez-moi la clé verte. Ah bah super. Allez, c'est à vous là. J'ai besoin d'une clé rouge. La clé verte rentre. Clé rouge. Écoutez-moi bien, Gontran. Quel plaisir de vous revoir si tôt. Est-ce que vous avez en face de vous éventuellement des choses qui indiqueraient 4 points? Est-ce que vous avez... Attendez, je fais le tour. Attendez. Oui, j'ai une tapisserie avec des avec 4 dessins avec des points. Ok, alors, en gros, moi j'ai 4 molettes où je peux aller sur 6 points différents à chaque fois. Ouais. Donc, dites-moi ce que vous voyez. Le premier dessin, vous voyez quoi en termes de points? Alors, le dessin en haut à droite, je vois... 4 points au point cardinaux, sud-est, nord-ouest, avec une flèche qui pointe vers celui de l'est. Comment? Non mais attendez, parce que moi j'ai des disques avec des numéros dessus. Ah! Est-ce que vous les voulez? Oui, volontiers, volontiers! J'ai disque 2, disque 5. Comment? J'ai des disques. Ah, j'ai une machine moi aussi. Oh là là. Oh. Je vous envoie le disque 2. D'accord. Je vous envoie le disque 6. Le 5, pardon. Je sais pas quoi en foutre de vos disques, moi. Je sais pas, vous avez pas de machine à mettre des disques? Ah, il me faut une clé rouge aussi! Hein?
Vous avez des informations là ou... Est-ce que vous voyez autour de vous un casque, une potion, une coiffe de fou, une couronne, deux couronnes, une potion? Attendez. Ah, il y a une zone que j'ai pas fait, attendez. Non, non, c'est cassé. Une coiffe, une potion? Oui, oui, j'ai une machine avec une coiffe, une potion, un chapeau, une potion, un chapeau de fou, et tout ça. Ouais. J'ai pas entendu. Attendez. J'ai une machine avec genre des points et relié avec des trous. Enfin, un truc pour slider des... Oh, je sais pas comment vous dire. Ah, si, si, on doit avoir la même chose. Oui. Ah, ça bouge. Attendez. Ah oui, ça bouge chez moi. Ça, y a les trucs qui s'enfoncent et se défoncent. Attendez. Ah, mais vous bougez les trucs! Mais oui! Regardez, c'est bon! On a mis la potion au bon endroit, faut mettre tout au bon endroit maintenant! Écoutez-moi bien! Alors, en gros. Attendez, attendez avant de bouger! Oui! Oui, dites! Attends, mais comment je fais pour bouger les casques? Moi, je peux pas. Attendez. Bougez tout en haut, voilà, bougez tout en haut, parfait, encore. Ah non, vous... Je peux plus. Je vois ce que... On n'arrive pas à dire, mais on voit ce qu'on veut faire, quoi. Exactement. Bougez la potion à droite. Ah oui, à droite, mettez le chapeau à droite, voilà. Descendez les rails. Descendez les autres. C'est bon là. Non mais descendez tout les... Non, descendez le chapeau. Descendez le chapeau, je monte la potion. Non mais descendez les couronnes. Ah non, non. Attends, What? Oh non, on a fait de la merde. Oh. Pas de panique, la potion c'est... Oh. Je crois que mon casque doit aller en dernier. Il faut qu'on s'organise, Gontran. Oui. Faut passer votre casque là. Faut qu'on le passe. Descendez-le. La couronne. Oui, la couronne, oui. Oui, mais le problème c'est que la couronne elle va en bas à la fin. Ok, mettez la couronne à droite. Ok, descendez. Bravo, Gontran. Bravo. Bravo. Ah oui, en fait, la coiffe de bouffon était juste là pour nous faire chier. C'est ça, à bouffe, quoi. Wagon. Y'a quoi dans le wagon? J'en sais rien. Vous avez pas une clé rouge? Ah mais non, c'est moi qui dois débloquer la clé rouge. Clé rouge? Bon alors moi j'ai vos disques, et moi j'ai toujours... J'ai comme 4 minuteurs avec 6 points. C'est-à-dire, je peux tourner l'aiguille vers un point à chaque fois, il y en a 6 quoi. Ok, moi j'ai 4... ce que je vous ai dit tout à l'heure, des tapisseries avec des points, et j'ai une flèche qui montre à chaque fois un point. Ah bah voilà, c'est parfait.
Vous voulez commencer par lequel? Ils sont disposés en carré, en haut? Oui, en carré. Au gauche, bas gauche, droite, bas droit. Bon alors, au gauche, allons-y. Au gauche, alors au gauche, la flèche, elle est en direction du sud-est. Parfait. Oui. Après j'ai pas entendu. Alors celui de droite, il est la flèche elle est direction est. Comment ça de droite? Est-ce que vous en avez un où il y a 4 points? Alors non, ils ont tous 6 points et j'en ai un en haut à gauche, un en haut à droite, un en bas à gauche, un en bas à droite. Bah en haut à droite, vous mettez à l'est la flèche. Ah mais j'ai pas l'est. J'ai nord-est ou sud-est. Tous les vôtres, il y a 6 points à chaque fois? Ils ont tous 6 points, nord, nord-est, sud-est, sud... Ah. Parce que moi, j'en ai un où il y a 3 points, un où il y a 4 points, un où il y a 5 points et un où il y a 6 points. Attendez, j'essaie de comprendre aussi avec votre... les deux roues que vous m'avez données, là. Mais ça me sert à rien. Attendez, est-ce qu'il y en a qui sont de couleur bleue ou rouge? Pas du tout. Ah. Moi, j'ai une machine aussi où il y a un truc qui roule. Il y a des roues, comme tout à l'heure, sur les portes. Et il y a des petits trucs dessus, genre... un hélix, une perle, un coquillage en forme de drill, et un caca. Oui? Vous avez ça ou pas? Non. Ok, bon, on s'en fout alors. Attendez, Gontran. Non bah moi j'ai bien que mes molettes à tourner là. Attendez. Vous avez pas de clé, rien, parce que moi j'ai deux portes. Attendez. Non mais c'est à voir avec les points, mais ouais. Vous avez vraiment 6 points à chaque fois, hein. Ah, mais j'ai repéré un truc, mais je peux pas le pousser. Derrière une des strades, il y a la clé rouge et il y a un autre disque comme vous m'avez donné, mais le disque 1. Oh, c'est terrible, j'arrive pas à pousser le truc. Bon. Il faut qu'on avance. Oui. Bah non, il faut qu'on continue sur les points. Hein. Et vous avez rien d'autre au niveau de vos points? Ouais non. J'ai un livre avec une feuille où il y a des flèches. En bas à gauche, elle monte. Enfin, elle fait quoi? Elle fait nord-est. En haut à droite, elle fait sud-ouest. En haut à gauche, elle fait plein nord. Et en bas à droite, elle fait sud-est. Quel plaisir de vous revoir si tôt. Bleu la sortie. Bravo, bonsoir! Ah ouais! Oh bravo! Si! Oh j'aurais pu venir.
Incroyable, Gontran. Oh, dans mes bras, vieux fou. Oh, oui. Bon. Ah mais alors ça, j'ai rien compris, ça. Ça, c'est le cax, vous voyez, c'est le... les coquillages. T'as mis un timer? Eh oui, oui. Mais là, on a pas... Vous avez lancé ça? Mais c'est pas moi qui ai lancé, ça se lance tout seul. Ah merde, non, il faut que quand même que j'appuie, même si on est à côté, c'est complètement con. Non, venez voir, en haut, venez voir en haut, venez voir en haut. Ça! Là! Là! Oh, le cauchemar! Ça ressemble à ça, le truc que vous aviez? Non, non, mais de toute façon, on l'a fait. Ok, bon, on va de votre côté, non? Ah, mais regardez, il y a la clé verte, là-bas! Comment ça? Oui, là! La clé verte. Bon, je vais voir de votre côté ce qu'il y a. Ça, la clé verte. C'est moi qui l'ai, la clé verte. Ah! Bah, voilà autre chose! Oui, mais je peux pas y aller, là-bas! Bah, si! Non, non, non! Vous êtes en dessous, Gontran! Ah ouais. Ah oui, clé rouge! Mais vous n'avez pas la rouge! Non, j'avais la rouge ronde. Et là, vous allez voir au fond de la pièce, la rouge triangulaire, mais elle est bloquée. Ah mais à deux, on peut peut-être pousser le truc, attendez! J'arrive! J'arrive, Gontran! Oui! On va pousser du bois! Pousser! Attendez-moi! À la une! À la... Oh, bravo! Oh, bravo, Gontran! Une clé! Bloqué! Comment ça? Ah, ça doit être de l'autre côté! Ah, c'est une bleue! C'est un losange bleu! Ah, c'est bleu! C'est un losange bleu, oui! Ah, je crois que j'ai bleu, attendez, là-bas. Rouge! Ah non, c'est rouge! Mais c'est une étoile rouge! Ah. Mais c'est où ça? Vous êtes sûr de votre côté, il n'y avait pas bleu? Oh! Bleu! Ah, je comprends! Où? Vous êtes où? Hey. Vous êtes où? Mais là où je pensais que ça marchait pas, ça a marché. C'est imminent, c'est imminent! Oh, c'est peut-être votre schéma de merde, ça! Oh! Ah là! Jaune! Quoi? La jaune! Oh! La rouge! Rouge, là! Ok, une porte fermée en haut, mais on peut rien faire avec. Oh. Oh, ah oui, d'accord, il va falloir synchroniser. Je vais à l'autre console, d'accord? Ouais. Vous voulez décrire ou vous voulez appuyer? Moi je vais appuyer, moi. D'accord. Attendez, je fais le tour du propriétaire en attendant.
Y'a rien. Vautrin. Oui. Bon, avant de commencer, il va falloir qu'on soit d'accord sur les descriptions. Donc on va mettre en place un code. Oui. Alors, je vous préviens, j'y connais rien en coquillage, donc on va faire autrement. Pareil. Bon, si je vous dis pomme, vous voyez duquel je parle. Un rond. Oui. Ensuite, si je vous dis escargot de Bourgogne, les escargots en chocolat. Un hélix. Oui, je vois la coquille d'escargot. L'escargot un peu rond, quoi. Attendez. L'escargot. Oui, enfin, celui qui est vraiment... qui est rond, quoi, quasiment rond. Oui, parce qu'il y a l'escargot, il y a celui avec le pointu au-dessus. Est-ce que c'est celui avec le pointu au-dessus? Non, mais y a le pointu au-dessus, c'est celui qui ressemble à une bombe. Non, une merde. Il y en a une, il ressemble à une merde. Comment ça, une merde? Il y en a, il ressemble à un étron. Quoi, fendu au milieu, là? Non. En blanc, il est tout blanc. Quoi? Mais celui qui ressemble à un éventail, là? Non! Là, j'ai poussé l'escargot, là! Mais arrêtez de pousser! Quoi? Mais je vois pas ce que vous poussez, moi! Y'en a un, il ressemble à une graine de café! Ah oui, mais attendez, je viens de comprendre! En fait, en bas, j'ai une légende, mais y'en a d'autres! Eh oui, c'est sur Timer! En fait, ceux du timer, y en a que j'ai pas en bas. Et oui, y a une merde. Ok, j'ai vu la merde. Ok, alors merde, escargot, pomme, grain de café. Oui, attendez, escargot de Bourgogne, c'est trop lent. Donc on va dire l'an 20, d'accord, l'an 20. Oui. Alors, on a merde, pomme, l'an 20, café... On a éventail, vous avez éventail? J'ai une corne! Oui, corne, ok, éventail... Et une lance! Une lance! Lance, ouais. Oui, la lance, parfait! C'est bon! Alors, le principe, c'est quand le code arrive en face de moi... Non, en fait, j'ai très peur, Gontran, parce que en bas, j'ai également 5 coquillages fixes, et je sais pas s'ils ont un intérêt ou si c'est de la merde. Essayons! On est bien d'accord que vous avez le temps du timer pour rentrer des coquillages, c'est bien ça? Oui, et avec le temps du timer, j'ai aussi un coquillage qui tourne. Là, maintenant, c'est la corne. Ouais, mais moi je peux interagir avec rien. Donnez-moi le truc, donnez-moi la séquence. Donnez-moi le coquillage. Ça coupe. Dites-moi le coquillage. Café. Ok, c'est l'an 20. Ah, loupé, j'ai fait la pomme. Pomme. Ok, corne. Ouais, c'est bon. Corne. L'an 20. Ouais. Corne. Lance. Ouais. Café. Corne. Oh, bravo.
J'ai le 4, j'ai une roue et j'ai la clé jaune. Ah, parfait. On a quasiment tous les disques. On en a 3. Moi j'ai 1, 2, 5. Ah, la clé jaune elle sert vers moi. Oui. Et la roue dentée, je sais pas quoi elle sert encore. Revenez. Oui. Attendez, comment j'y rejoins déjà? J'arrive. Oh là là. Oh là là. Attendez, vous avez quoi? Parce que ça se trouve, je dois rester là. Non, venez, il y a un film. On a les films. Va falloir qu'on utilise les films. Ah oui. Mais comment je vous rejoins déjà? Ah. Oui, attendez, venez là. En haut de là où j'étais au début. Rappelez-vous la clé bleue. Ouais, montez là. Voilà. Non. Ah. Gondrin. Oui. J'ai très peu dormi, je ne sais pas. Je vais venir vous chercher. Revenez de l'autre côté. Ah, revenez là. Voilà. Revenez. Oh non, pas comme ça. Bravo Théodule. Oh c'est formidable Gontran. Ah regardez, il y a le film. Ah mais moi je me demande si les signes avec les points qu'on voyait c'était pas pour le gouvernement. Regardez, faut mettre les films ici. Mais pourquoi il met pas le 5? Bravo! Ah mais on a tout! Vous l'avez celui-là? Oh! Et ensuite? Ah. Bah on regarde le film! Faut qu'on tienne tous les deux en même temps! Ah non? Non, regardez le film. Oh non. Ah regardez, c'est un. Quoi? C'est le film 1 ça. D'accord. Alors on tourne la clé. Film 2. Électricité. Film 3. Quatre.
Ça, c'est à côté de nous, ça. C'est là. Bon, oui. On s'occupe du film 1 ? Oui. Est-ce que vous avez trouvé des roues dentées ? Des roues dentées, des roues crantées ou... Ouais, comme celle-là. Ah, non. Ok. Ah, mais il y a la clé, là, la fameuse clé. Oui, mais on peut pas l'enlever, je crois. Oui, non, mais c'est dans le film, ils disent qu'il faut la tourner, celle-là. Là, c'est quoi, celui-là? Ah oui, tournez la clé. Oui, donc faut juste toutes les roues crantées et on tourne la clé. Oui. Mais c'est où vous les foutez vos roues? J'ai tourné la clé. Et vous, y avait toutes les roues crantées, c'est bon? Je sais pas. Y a pas l'air d'avoir besoin, hein, pour le moment. Alors, attendez, tournez la clé. Il faut faire quoi après? Vous aviez mis les roues, Gontran. Y a pas besoin des roues. Y a pas besoin. Alors, l'électricité de mon cul. Non, hein, pas ça, deux avant. Là, regardez, on tourne la clé. Oh, vous êtes distrait. Non, non, mais je m'occupe du deux. Ils sont où les quatre boutons? Bonjour. Quel plaisir de vous revoir si tôt. Attendez, je cherche avec vous. Faut trouver ces quatre boutons. Là! Venez! Venez vers moi! Oh, je suis aveugle, c'est fou! 1, 2, 3! Oui, faut refaire la clé avant. Ah, c'est dans l'ordre! Oui, là j'ai fait la clé, 1, 2, 3! Et là, faut faire le reste après. Électricité, y'a électricité! Alors, fumée. Et où la fumée rouge? Ah, là-bas. Ah, faut faire levier et manivelle rouge en même temps. Ouais, je vais faire le bouton. Ah bah, regardez, il y a un timer, regardez, faut tout refaire. Comment? Oh non. Eh oui. Tiens, attendez, alors vous ferez la manivelle qui est où? Là, venez, là. D'accord. Regardez, on fait un test. N'oubliez pas de vous hydrater les juteux. Je fais la clé, vous faites les trois boutons, vous descendez, et on fait les deux boutons après. Oui. J'ai tourné la clé. Voilà, là on a fait les leviers. Ça c'est ok. Et après? Ah d'accord, je vois où il est ce levier là. Il est derrière, regardez. Moi, il faut que je colle la petite roue et vous faites le levier, alors. Bon, oui. En gros, pour le 4, moi, je dois pousser ça contre la roue et vous faites le levier. Tout à fait. D'accord. Et le 5, attendez, regarde le 5. Ah, et le 5, c'est fini. C'est juste la fin du process. Ok. Ah non 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 non. Ah non, faut tirer manivelle, appuie sur le bouton bleu. Et la clé, ouais, bouton bleu et le truc au fond là, ça là, la chaîne. Tout à fait, je m'occuperai de la chaîne. Attendez, mais il faut faire trois trucs, comment on fait? Faut faire trois trucs, comment on fait? Attendez, je regarde.
Bah, la clé elle est à côté de moi, je la ferai. Oh là là. Allez. C'est parti. Mettez-vous là-bas. C'est parti. Je suppose. Ah, j'imagine, oui. Mais vous avez mis du temps pour la manivelle du 4, non? Ouais, j'ai attendu un peu, je pense qu'il fallait pas. Ah, il faut pas attendre, hein, faut y aller, hein. Ok, ok, go, go, go! Attendez, j'essaie de me rappeler ce qui... Ah oui, c'est bon. Go! What the fuck? On l'a pas fait dans l'ordre, faut qu'on se dise au bout d'un moment. Bah si, il y a eu les pings. Oui mais, regardez. Ah ça, le dernier, faut le faire dans l'ordre. Oui, je pense que ça, oui. Après là, ça, c'est bon. Quand j'entends ça tourne, moi, j'ai déjà commencé à faire la manivelle. Donc quand ça tourne, la manivelle, elle est quasiment descendue. En fait, pendant que vous faites la manivelle, moi je dois faire le bouton bleu. Non, parce que moi, regarde... Ouais. Ah oui, faut qu'on se time pour la manivelle et le bouton bleu, c'est ça? En gros, moi je pousse ça là, ça prend 2 secondes. Pendant que vous faites la manivelle, moi je commence à faire ça parce que ça dure 55 ans. Ok. Et je peux déjà appuyer sur les 2 premiers boutons avant que vous validez le 3e, attendez. Allez, gros. Attendez, je me suis fait baiser, Gontran, le truc il est... Ah. Alors tout à l'heure, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Au fond. Il y a eu quoi? Gontran! Oui. Qui allait... J'entends pas ce que vous dites. Ton rouge, au début, parce que vous êtes plus près. Vous voulez que j'appuie sur le bouton rouge après la clé? En gros... Vous faites clé, je fais les 3 boutons, vous faites ça, parce que vous êtes le plus près, et pendant ce temps-là, faut faire quoi? Faut faire la manivelle, là. Ah, ça, on s'en fout. Ah, c'est juste la manivelle, non. Cette mozi. Ah, et la manivelle, c'est rapide? Non, ça prend du temps. Ah, c'est la même merde, ok, ça change rien alors. Tout à fait. Moi, faut juste bien que j'attende que les roues elles commencent à tourner pour faire le 2e levier là-bas. Oui, vous voyez ce levier là? Faut que j'attende que vous. Il faut bien le laisser coller pendant que moi je fais le levier. Mais tout à l'heure, ça a marché pourtant. Et c'est là qu'on chie.
Bon, on retente, comme d'habitude. Normalement, je peux faire le bleu. C'est rapide, la chaîne. Oui, la chaîne, c'est très rapide. Oui. Et le bleu, ça met longtemps ? Bon, bah on fait comme d'hab, alors. Oui, et dites-moi quand... À la fin, dites-moi quand vous avez quasiment fini le bleu, que j'appuie en même temps sur que vous. Ah, mais... Je peux pas faire Tokiwoki et tirer en même temps, non ? Si. Ah, ok, énorme ! Donc quand vous avez bientôt fini, vous me dites tire ! D'accord. Allez ! Ok, je suis en train de commencer. 3, 2, 1, go! Bravo! Incroyable! Oh, regardez là-bas, là! Oh là 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 là, j'aime pas ça du tout! Ok, ça s'ouvre le coffre. Mais y'a encore un truc qu'on n'a pas fait, c'est le machin avec les points là. Ouais, y'a eu un ascenseur là qui vient de s'ouvrir. On va voir l'ascenseur avant? Ah ça, on tourne ça? Attendez! Mais. Ouais, mais comment? C'est long. Pas l'impression que ça sert à grand chose. Non. Mais il y a un ascenseur qui s'est ouvert tout à l'heure. Viens voir. Oh ! Contrant, votre rouage ! Venez, venez ! Ah. Vous en avez un autre ? Non ! Faudrait qu'on aille le chercher. Venez ! Ah, on va avoir besoin de la clé verte là, ouais. Ah. Oula. Ah bah oui, voilà, c'est là. Regardez, c'est le même truc que j'ai de l'autre côté. Ok, j'y vais. Ça va aller, hein ? Une petite mine quand même, là. Oh. C'est juste pour les 7 mois. Yato Kami, pour les 4 mois. Sashmo, merci pour le sub. Des bisous. Ok, je suis devant. Ah ! Alors ? Est. Celui en haut à gauche, s'il vous plaît. En haut à gauche, sud-est. Ok, en haut à droite ? Est. Ah mais attendez, oui, non, c'est pas le même, ok. Vous en avez 4 ? Oui, mais ça doit pas être dans le même ordre, parce que là, il y a le 3 points en haut à droite. Est-ce que c'est 3 points en haut à droite ? Non, alors 3 points, c'est sud-ouest. Ok. Un 4 points, c'est est. Est, oui. Le 5 points. 5 points ? Oui. Ah mais attendez, en haut à gauche c'était 6 ?
Oui. Alors, en haut à gauche, c'est nord. Et le 5 points, c'est sud-est. C'est tout bon. Bravo, Gontran. Bravo. C'est la clé rouge, triangulaire. Si vous avez une porte comme ça. Ah, c'est là où j'étais au début. Ah bah, j'arrive. Ah bah non, je peux pas venir. Oups. Comment ça, vous pouvez pas l'appeler ? L'ascenseur, et je peux pas le rappeler, moi. Mais je peux vous envoyer la clé rouge. J'arrive, Gontran. Attendez, je vous ai envoyé de l'autre côté la clé rouge avec un triangle. Vous êtes encore de l'autre... Allez au-dessus. À l'étage au-dessus, je vous l'ai envoyé. Parfait. Moi, je peux pas descendre de là pour le moment. C'est bon, je m'en... Mais je pense qu'il va falloir que vous veniez me chercher avec l'ascenseur. Oui, attendez, je vois rien avec cette mer. Oh, je vois que dalle. J'arrive, Gontran. Oui. Il y a une serrure jaune aussi. Ah, j'ai la clé jaune. J'arrive, mais je vois que dalle. Parce que ça me barre la vue. Deux secondes. Ouais, oui. C'est imminent, Gontran, c'est imminent! Oui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est bon, ok. Vous me laissez pas cette fois, hein? Jamais, Gontran! Nous sommes une équipe! Ok, je dépose mon rouage! Très bien. J'essaie. En bas. Sur votre gauche. Ouais. Sur votre gauche. Ouais. Oh, quelle histoire. Ok. Venez me chercher, je vais pleurer. Non, pas par là. Mais c'est pas celui-là. À droite. Comment ça ? À droite, non, l'autre droite ! Ah oui, Gontran, oui ! Merci. Et merci. Ok, j'ai la clé jaune, ou on fait quoi en premier ? Ah oui, parce qu'il y a tous les rouages. Non, mais on fait la clé jaune. Ok. C'est par là, non ? C'est par là ? C'est par où ? C'est vous qui savez, hein ? La plateforme. Le problème, c'est que j'ai fait tout le chemin avec un rouage en pleine gueule. Non, mais ça doit être par là, j'en suis quasiment certain. Non. Oui. Par là, venez. Bien sûr. Oh, c'est des démarches, hein. Ah, oh, je suis épuisé, Gontran, épuisé. Voilà. Prenez un café. Ah, un petit café, là.
c'est ici, Gontran. On n'a pas fait le tourniquet. Oh non. Oh non. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah tenez, vas-y poussez. Ah on pousse quelque chose là, il y a l'activité je crois. On a fait le tour pour rien. Oh y'a un truc qui monte, y'a un truc qui monte. Une cage. Oh là là, lag. Pardon. Non. Et moi? Au secours. So long. Je suis bloqué. Oui oui c'est normal. Gontran, j'ai peur. Gontran. Au secours. Vous m'avez trahi. Non. Y'a un dragon. Y'a un dragon énorme. Non, non, je le vois pas le dragon. Y'a un dragon gigantesque qui va me manger. Oh non, ça se referme. Vous m'avez abandonné encore une fois. Je suis trop triste. Oh là là. Gontran. Oui. L'heure est grave, Gontran. J'ai une roue séparée en plusieurs disques, plusieurs sillons, avec plein de signes et une boussole en plus. Hein? Pas très grave. Ah mais attendez. Oh non. Vous avez accès à quelque chose, Gontran? Pas grand chose, non. Moi aussi, ça tourne de mon côté maintenant. Ah, j'ai trouvé une sortie. Juste cette Stargate géante avec plusieurs cercles en fait. C'est un énorme j'ai plus les coffre-fort. C'est une porte de coffre-fort, sauf qu'elle est séparée en plusieurs sillons et y a des signes, des symboles, des runes un petit peu partout. Et au centre, il y a une boussole où le nord est en rouge. Ouais, j'ai la même à la maison. Ah bah parfait. Sauf que moi, il y a pas les symboles sur les boules en or, sur le rond, le carré et l'hexagone. Il y a pas les signes. Ah, vous avez rond, carré, hexagone. Okay. Oui. Ah, et attendez, j'ai une machine aussi qui met de la lumière. Comment ça? Alors, j'ai une machine. Attendez, j'appuie sur le bouton. Quel plaisir de vous revoir si tôt. Il se passe rien, hein. Ah, écoutez, Gontran, j'ai également 5 résistances autour de ce coffre disposées à certains endroits. Attendez, vous avez dit quoi? J'ai 5 petites lampes résistance posées autour du cercle à certains endroits. Ouais. Je sais pas si c'est du décor ou si ça a un intérêt. Ok. Va falloir que vous me décriviez les runes que vous avez. Ça vous rappelle des bons souvenirs, les fusibles. Oui. Dans les ronds, vous avez quoi comme runes? Alors, dans les ronds... Il y a deux ronds. J'ai un rond au nord-ouest où c'est un spermato qui se trucide la tête avec un coutelas. Attendez, ouais. Vous l'avez? Moi j'en ai plein, moi. Moi en fait, tous les ronds, ils ont des sigles. Qui se perce la tête avec une épée. Ouais. Ok, attendez.
C'est une évidence. Moi j'en ai deux, vous en avez combien? Moi j'ai un rond au nord-ouest et un rond au sud-est. Ils sont dans le sillon le plus proche de la boussole, le sillon intérieur. Tout à fait. Et vous avez les deux spermatos sur ces trucs-là? Non. Le spermato qui se tranche la tête est au nord-ouest. Oh, mais... Prêt? Attendez, non. Oh, mais je découvre des choses, là. Ah, ça change de signe. Vous avez dit quoi? Nord-ouest, sud-est. Oui, au nord-ouest, le spermato qui se tranche la tête. Vous l'avez? Oui, je pense que oui. Et au sud-est, alors? Au sud-est, j'ai le CIC. Hein? Au sud-est, imaginez les lettres CIC. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Ok, le premier chevron est bon. Le premier chevron est bon. Deuxième, les carrés. Vous avez quoi sur les carrés? Alors, j'ai trois carrés, hein. Un à l'ouest, un au nord-est et un au sud. On est d'accord? Ok, celui du sud. Celui du sud, c'est un Among Us. C'est un Among Us avec deux petites antennes. C'est en cours. Il est sus. Ça si. Ah merde, mais je regardais pas le bon, attendez. Oh, je suis con. C'est la bestiole de Monstre et Compagnie, le petit vert. Oui, c'est bon. Ok. À l'ouest. Un dé à l'envers avec une... C'est un petit peu le même genre de bestiole, mais imaginez avec la tête penchée à droite, comme s'il était collé à un mur, quoi. Ouais, ok. Un demi-cercle, avec un mur à gauche. Ok, c'est bon. Très bien. Celui en haut à droite... C'est un cercle entouré de trois traits. Oui, un peu concave. Oh, c'est bon, on a le bon. Boomerang. Oui, c'est bon, on a le bon. Troisième chevron maintenant. Alors, troisième chevron, il y en a quatre. Celui au nord, c'est... Oh, j'ai du mal, c'est loin. Ah oui, je peux zoomer. C'est un peu comme une fourchette ou un verre sans pied avec une clé à l'intérieur. Est-ce qu'un bonhomme qui lève les bras sans pied? Oui, ça peut fonctionner. Ok, et eh ben voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, au nord-ouest, c'est une télévision à l'ancienne avec un trait à l'intérieur de l'écran. Où? Au nord-ouest. C'est quoi? Ah oui, une télévision, c'est bon. Bah, c'est bon de mon côté, hein. Comment? C'est bon de mon côté. Ah. Vous avez un levier, quelque chose? Sud-est. Vous avez un levier, quelque chose à faire, vous, ou pas? Pardon? Vous avez un levier ou quelque chose à pousser, vous? Non. Alors, au sud-ouest... Attendez, j'essaye de vous faire une description. Non, mais on a le bon, c'est bon, on a le bon! C'est un P avec une barre horizontale.
Comment ça? C'est un petit bateau avec du vent. Pas du tout. Ah, c'est quoi alors? Alors, au sud-ouest, c'est un gland. C'est le bout d'un pénis. Mais très nervuré. C'est bon! Bon, toi! Bravo! J'ai trouvé le pénis nervuré! Bravo! Ah, mais je suis encore bloqué! Ah, j'ai ramassé un truc, attendez. Pareil, mais beaucoup plus loin. Je vais devoir plisser des yeux. Je vais devoir mettre mes lunettes, Gontran. Ah, je me suis... Il y a quelqu'un qui m'a piqué mon livre. Quoi? Il y a un robot qui m'a piqué mon livre. Oh, le sagouin. En plus, c'est super loin, là. Oh non. Oh, j'ai mis une lentille et maintenant, c'est à moi. Comment ça? J'ai mis une lentille sur mon projecteur, et maintenant ça m'affiche des trucs en plus. Ah, mais vous voyez ce que je vois, du coup? Bah moi je vois la même porte, je suis sur la même porte, et maintenant le nord, il est à l'ouest. Vous, le nord, il est toujours au nord. Le problème, c'est que c'est très loin, donc attendez. Alors moi j'ai la boussole toujours avec le nord en rouge, mais je vois pas où ça pointe. Si, ça pointe toujours vers le nord. Ah, vous avez changé la lumière? Vous changez des lumières? Oui. Il y a deux lumières oranges alors qu'il y avait qu'une lumière verte au milieu au début. Ok, et là? Bah vous changez des lumières, mais je sais pas à quoi ça sert. Gontran, j'ai des runes à vous communiquer encore. Allez-y. Mais le problème, c'est que je les vois très mal car je suis très loin. Bon. Le muscle molette. Au nord-ouest, c'est encore la télé à l'ancienne avec le trait au milieu. Quel chevron? Nord-ouest, à l'extérieur, chevron extérieur le plus extérieur. Alors, moi, pas du tout, attendez. Ah, mais attendez, vous pointez vers l'est, c'est ça que vous me dites? Comment? Votre boussole, elle pointe vers l'est, c'est ça? Oui, elle a fait un quart de tour. Elle a fait un quart de tour vers l'ouest, moi, ma boussole. Vous avez quand même le nord en haut, visuellement. Non, j'ai le nord à l'ouest. Et j'ai l'est en haut. Et j'ai le sud à droite. Votre nord, il pointe où, excusez-moi? À l'ouest, à gauche. Votre nord est à gauche. Ok, alors écoutez-moi bien. Alors, écoutez-moi bien. Oui. Ah. Oui, mais ça change rien si votre nord est à gauche. C'est... Oui, ça change, globalement ça change rien. Mais vous savez, moi maintenant j'ai des symboles qui sont illuminés. Hein? J'ai des symboles qui sont illuminés, moi, sur ma roue. Comment ça, illuminés? Illuminés! Ah! Lesquels? Alors, au nord, là où il y a le nord rouge, il y a un bonhomme sur le troisième cercle le plus à l'écart. Ah, attendez. Oui, moi j'ai un bonhomme qui lève les bras. Oui. Et vous l'avez où, ça? Nord, plein nord, qui est à mon... Alors, le nord, vous voyez, le N, qui est à mon ouest, et sur le troisième cercle. Oui, mais c'est quand même très bizarre, parce que moi, je le vois, mais sur mon est... Et si je change les lumières, ça change quelque chose? Bah, ça change des lumières, quoi.
Ok. Ne vous inquiétez pas, Gontran. Vous avez pas de machine, vous, de votre côté? Ok. En gros, moi, je vous explique. Moi, là, je vois le point central de la le point au milieu de la boussole est vert, et il y a deux points à l'extérieur sur le premier et le deuxième chevron qui sont orange, là. C'est ça que je vois, à l'est. Ok. Bon. Reprenons. Je sais comment on va faire. Alors, votre bonhomme, là. Oui. Prête votre bonhomme sur le deuxième chevron. Vous avez une rune carrée, non? Pas du tout. En dessous du bonhomme, j'ai Bill du Big Deal. Ah. Et c'est dans quelle forme? Comment? Bill du Big Deal est dans quelle forme? Oh, mauvaise forme. Non, mais sinon c'est le Amogus avec les antennes. Non, mais vous pouvez les changer, vos runes, ou pas? Non, moi j'ai plus accès à rien. À part vous changer les lumières, je peux rien faire, moi. D'accord. Bah attendez, je vais visiter un peu, moi. Ah bah non, je suis enfermé. Alors, vous pouvez les changer exactement comment, vos lumières? Attendez, je peux... Alors, j'ai un rond, avec une flèche au milieu, avec un carré au sud, un carré au nord, une roue crantée en bas au sud, un rond à l'ouest et un pentagone à l'est. Oh, j'ai du mal à comprendre ce qu'on doit faire. Oh, mais il y a un autre rond. Ok, il y a 4 diodes, en fait. Ah, vous avez allumé une diode, là. La diode extérieure. J'essaie de comprendre, hein, Gontran, mais c'est compliqué. Ouais. Attendez, Gontran, ça se précise. Oui. Je bouge, Gontran, je suis sur le mouvement, j'ai trouvé un passage secret. Ah! Ah, c'est très intéressant, Gontran, il y a un gouvernail. Oui, comme moi. Ah, ok, parfait. Alors, dites-moi où il se trouvait, votre bonhomme qui levait les bras, là? Plein nord. Nord, troisième cercle. Alors, est-ce que c'est vraiment genre une croix avec un petit rond au-dessus, hein? Tout à fait. D'accord. Et à sa droite, il y a une télévision. Alors ça, c'est très bizarre. Est-ce que vous n'avez pas un mécanisme qui permet de changer les formes? Normalement, vous avez pas un projecteur? Non, non, moi en fait, ce que j'ai, c'est un gouvernail qui me permet de faire tourner la roue des symboles. Et donc, ça change tous les symboles quand je tourne. Très bien. Eh ben, de toute façon, là, le petit bonhomme est au nord, donc c'est bon? Bah, mon petit bonhomme est au nord, oui. Ok. Deuxième cercle. Non, on va faire comment? Ok. Deuxième cercle. Il nous faut le Bill du Big Deal, il faut qu'il soit plein est. Attendez, je commence à comprendre. Attendez, mais moi le problème c'est que près du petit bonhomme, j'ai le gland nervuré. Oui, bon aussi, à sa gauche. Alors écoutez, essayez de mettre une diode verte sur le chevron le plus extérieur.
Vous me dites, hein, moi je vois pas. Non. Non. Oui, alors attendez, je veux voir en fait si ça bloque. Pas du tout. Ah ! Ok, Gontran ! Oui ? Ok, enlevez cette diode. Ok, parfait, parfait, parfait. Non, non, pas parfait. Tournez la diode encore. Ok, parfait. Vous allez me dire ce que vous voyez dans le premier chevron, le plus intérieur. Quel est, nord, ouest? Alors moi, le chevron intérieur, j'ai deux cercles et j'ai un truc en nord-ouest et un en sud-est. Alors, attendez, sud-est, c'est le spermato. Qui se tranche la tête? Oui. Et est-ce que de l'autre côté, c'est pareil? Oui. Ok, c'est bon. Tournez la diode. Parfait. Alors maintenant, c'est les carrés sur le chevron du milieu. Qu'est-ce que vous voyez au nord-est? Je vois un requin. Nord-est, hein? Ah non, attendez. Non, mais dites-moi ce que vous voyez, vous. Dites-moi ce que vous voyez, vous, et actionnez. Ou un oiseau. Un oiseau qui vole. Ah, où ça? Au nord-est. Ah, ou sinon, attendez, au sud-ouest, il y a le CIC. Non, 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 pardon, pardon, me suis trompé. Au nord-ouest, il y a le rond avec des petits... comment ça s'appelle, là, le truc que vous avez galéré tout à l'heure. Avec les trois trucs qui l'entourent. Le rond avec les trois traits autour. Oui. Ok, quand il y a le rond avec les trois traits, est-ce que les deux autres signes, c'est une marmite avec un œil et des petites oreilles, et une autre marmite avec un trait? Je vois la marmite, ouais. Sur sa droite ou gauche. On est d'accord qu'il y a trois symboles. Ah, oui, oh, attendez. Non, parce que c'est pas le même, je pense. Alors, le haut avec les trois barres sur le côté, à son ouest, il y a le petit Amogus. Non mais donnez-moi les coordonnées exactes à chaque fois. Alors, nord-ouest, le haut avec les barres. À l'ouest, il y a le Amogus avec des pieds et deux antennes. Il y a un rond au milieu. C'est bon? Gontran, le cercle avec les trois traits autour, c'était sud-ouest ou nord-ouest? Ah, sud-ouest, pardon. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à l'est? Oui, alors. Attention. C'est un T. Avec la barre du T, il y a un O à l'intérieur. Au sud. Mais comment c'est possible? Vous êtes sûr que vous lisez bien la boussole et que vous me dites pas par rapport à vous, là? Ah si! Ah, la boussole! À l'est, alors! À l'est! Attendez, vous avez quoi à l'est? Mais non! À votre est, vous avez quoi? À votre boussole? Mais moi, ma boussole, elle a fait un quart de tour! Oui, mais c'est pas grave, dites-moi par rapport à votre boussole! Bah, là où il y a le S sur ma boussole, il y a le T avec un rond sur le à la fin de la barre. Ok.
Attendez, ça pose un souci. Rontran, écoutez-moi bien. Est-ce que... Là, oui. Est-ce qu'il y a un symbole entre le spermato qui se tranche la tête et le gland nervuré? Est-ce que ça fait une ligne? Alors... Mais y a pas... On est sur le deuxième chevron, là! Oui, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que sur le chevron intérieur, il y a un spermato, sur le chevron extérieur, il y a un gland nervuré, est-ce qu'entre les deux, il y a un signe? Oui, il y a le homogus. D'accord. Donc là, écoutez-moi bien, il y a le T avec un rond au sud, au nord-ouest, il y a le homogus, et au nord-est, il y a le bateau. Nord-est? Oui, tout à fait! Alors normalement, on est bon. Faut faire quoi? Peut-être. J'ai pas entendu. Faites tourner la diode. Encore une fois? Encore une fois? Deux secondes. Je comprends pas, Gontran, j'ai l'impression que c'est comme vous m'avez dit, mais ça fonctionne pas. Bon, attendez, on reprend depuis le début. Là, plein nord, dans le dernier cercle, il y a un bonhomme avec... Il y a juste un bonhomme. Oui. En dessous de ce bonhomme, il y a un homogus avec des cornes. Pas du tout. Y'a quoi? Attendez, je commence peut-être à comprendre. Attendez. Attendez, quand vous me dites en dessous du bonhomme, c'est exactement aligné? Oui! Mais moi, il est pas éclairé, hein. Hein? Mais moi, j'ai rien d'éclairé ou non? Attendez, des signes éclairés? Oui, ce que je vous parle depuis tout à l'heure, c'est des signes éclairés. Ok. Alors, attends, deux secondes. Ah oui, non mais, donc, sur le chevron du milieu, le bateau, le T avec un rond et le homogus, ils sont illuminés ou pas? Pas du tout! Oh putain! Deux secondes! Dites-moi les signes éclairés sur le chevron du milieu. Alors... Nord-ouest, il y a le homogus avec un rond dedans, mais sans les pieds, et des antennes. Votre nord-ouest? Oui, mon nord-ouest. Enfin, le nord-ouest de la boussole. Oui, bien sûr. Mais... Attendez, mais... Vous me disiez qu'il y avait un signe illuminé juste en dessous du bonhomme qui était illuminé. Non, il n'est pas illuminé. Attendez, qui n'est pas illuminé? Le bonhomme? Non, dessous le bonhomme. Très bien. Donc oui, au nord-ouest, il y a bien le Among Us avec la marmite. Non, c'est pas la marmite, c'est l'autre. Ok, écoutez-moi bien. Dites-moi exactement les trois signes illuminés et leur position sur le chevron du milieu. Alors, nord-ouest, sur la boussole, hein. Entre le N rouge et le ouest, hein.
rouge. Oui, il y a le Amogus avec le rond au milieu, mais fermé en bas avec deux antennes. Et oui. Ok. À l'est, sur la boussole, il y a le même. Oui. Et au sud, sur la boussole, il y a le T avec un rond à la fin de la barre du T. Attendez. Deux secondes. Ok, c'est bon pour le milieu, c'est bon. Ok, et le troisième ? Oui, mais l'intérieur, c'était les deux spermatos, ils étaient illuminés ? Non ! À l'intérieur, à l'est, sur la boussole, il y a un fer à repasser. Gontran, faites un coup de diode, là. Ah. Encore deux. Parfait. Donc rappelez-moi ce que vous avez d'illuminé à l'intérieur. À l'intérieur, le premier, à l'est, sur la boussole, il y a le fer à repasser. Bah de toute façon, ensuite, c'est l'ouest, c'est l'opposé, quoi. Oui, et à l'ouest, il y a l'espèce... c'est quoi? C'est un bateau. C'est un bateau avec du vent. Oui, ok, oui. Bon, je pense qu'on est bon sur tout, sauf le plus extérieur, Gontran. Faites-moi un coup de diode et dites-moi ce qui se passe à l'extérieur. Ah non, un autre coup de diode, un autre coup de diode. Ok, parfait. Je pense qu'on y est, on y est presque. Allez, au nord de la boussole, sur le troisième disque, il y a un monsieur qui lève les bras. Illuminé. Illuminé. Très bien, et ensuite? Au nord-est, à côté du petit bonhomme, il y a une télé illuminée. Oui, putain de bordel de merde! Allô? Oh. Allô? Oui, je suis en train de me déplacer encore dans la cage ou folle. Oh, je crois que je sors, Mintos. Gontran. Hein? Dans un donjon. Oh. De gladiateurs. Vous m'entendez, Gontran? Oui. Je suis dans une arène de gladiateurs, je crois que c'est la fin.